Wow. C'est un peu équilibré quand même, hein? On a gagné quand même. Bon après, toi tu t'étais venu faire quoi ici? Je sais même pas. Bon. Eh bien, ça va être tour suivant. Non, il reste ça à attaquer. Victoire. Re. Boum. Du coup, il a quelques vaisseaux qui traînent dans les parages. Ils sont pas vraiment une menace. Tout comme ces types-là, je pense pas qu'ils soient vraiment une menace. Faut qu'on lui prenne encore cette planète-là. Bon, allez, Idle Colony. Et pourquoi tu mets une Durantium raffinerie autour de... C'est débile. C'est ça qu'il faut mettre à cet endroit-là. Putain, je m'en fous, ça. Bon, le reste, ça peut rester pour l'instant. Je pense que je peux gagner ça. Yes. C'est quoi ça? Ah, c'est un shipyard. Ils m'ont pété un shipyard, les enfoirés. Mais. Qu'est-ce qu'il. Pourquoi le son du jeu s'arrête comme ça, là? J'ai l'impression que. Il a planté. Ah, non, il est revenu. Ok. Oh, il m'attaque, mon gros. On va regarder la bataille, là. Ça peut valoir le coup. Oh, le jeu, il galère! Oh là là! On va voir notre vaisseau capital contre le meilleur de leur flotte en fait. Donc ok, vous avez beaucoup de missiles, mais moi j'ai une bonne défense anti-missile. Putain, et en un pet, il avait déjà plus de PV. Bon là je commence à prendre cher parce que j'ai plus de défense anti-aérienne. Je comprends pas pourquoi la défense se consomme comme ça. Je comprends, limite, que si on tire dessus, ça se consomme. J'ai l'impression que ça se consomme quand ça tire justement sur les trucs ennemis pour les détruire, quoi. Allez, le dernier. Impressionnant, le processeur, hein. Eh ouais mon gars, un vaisseau contre 4 et tu meurs. Et quoi qui est instable, c'est le live? Attends, je suis à combien d'encoding? Je suis à 1300. Ça devrait pas être instable. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah oui, c'était censé détruire la flotte qui vient de m'attaquer. Tant pis. Bon, j'ai plus de transport en fait, ils sont là mes transports. Alors, on va prendre Ragnarok 2. Ok. Thank you.
va combiner ces deux flottes là. Ils sont plus que deux, on va les mettre dans cette flotte. Voilà. What next? On finisse là-haut ce qu'on a commencé, la capitale. Et c'est la victoire. On va voir. Ok. Là, il ne reste plus grand chose. Je pense que c'est leur dernière planète. Ouais, on peut attaquer là. C'est rien ce qu'ils ont en défense. Voilà. Et les Iconiens ont été... Oh, vous avez vu, on voit les vaisseaux en orbite. C'est marrant, ça. Donc, les Iconiens ont été détruits. Il ne reste plus que les Altariens et les Terranes, sachant que les Terranes, c'est en bonne voie. Bon alors, on va... il faut qu'on détruise toutes leurs installations. C'est devenu des installations pirates, en fait. Et leurs vaisseaux sont devenus des vaisseaux pirates d'ailleurs. Hey, Iron 255. Bienvenue sur la chaîne. Bon, qu'est-ce qu'il leur reste? Ça encore? Ça. Bon, après, je vais reprendre mon chantier spatial, là. Resume. Et du coup, tu vas nous produire quelques constructeurs, parce qu'on a plein d'endroits où il y a des ressources à récupérer. Voilà. En termes de recherche, on a récupéré des nouveaux lasers. Ensuite, ouh. Toi, t'es une colonie de recherche, dis-moi. Le mieux c'est de te mettre en full recherche. Boum, 326 de plus. Toi aussi je vais te faire une colonie de recherche. Quoi, c'est Ragnarok? Pour l'instant tu vas continuer à fabriquer ce genre de choses. Voilà, on va tout détruire. Trop militaire et à la richesse. On s'en fout. Matrice de puissance. Voilà. On va le monter pour qu'il soit juste... Voilà, 60 de prod. Putain, du coup, ça se convertit en... Ah oui, mais ça, c'est à cause des plus 25% de social manufacturing. Ok, ça c'est la capitale ennemie. Alors. Ouais.
Recherche aussi, ce serait mieux. Bon, déjà, on va remplacer leurs trucs qui sont pas du tout efficients par les nôtres. Voilà. Ensuite, on va y coller. Yes. Et la resequencing station va venir là. Et pareil, je veux que tu sois par contre en full prod, toi. Voilà. Ensuite. Encore des planètes recouvertes de trucs qui ne servent à rien. Bon, c'est bien. On a fini avec un nouvel ennemi. Donc il ne reste plus que les Altariens et les humains. Il faut qu'on finisse les humains. Toi tu vas rester là. Et ici on avait déplacé toutes nos forces. Ok, pourquoi pas. Mais comment ça se fait qu'il reste une planète ennemie là? On va bien voir. Oh, c'est gentil, j'allais le faire. Elle est lente, cette animation de destruction, c'est une horreur. Hein. Waouh. Oh, c'est une belle planète, classe 21, ça. Il y a déjà des trucs hors dessus parce que c'est moi qui l'avais construit à l'origine. On va faire comme ça, on va mettre une Power Matrix et un Durantium Refinery. Après, voilà. Par contre, on va éjecter tout le monde. Alors, t'as 7 vaisseaux. C'est des petits vaisseaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, là? Il reste 2 planètes. Ah, mais j'ai plus qu'un seul transporteur, malheureusement. Voilà. Et du coup, il reste quoi? Il reste une planète. Je vois pas. Où est cette planète rebelle? Je suis con, juste à côté. On a des transports pas trop loin. Pas impression. On a consommé un paquet de transports dans ces deux guerres. On a ceux-là qui restent. Ça va leur prendre longtemps de venir là-bas. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme vaisseau qui est idle?
Ensuite. Donc vous, je vais vous mettre en garde ici. Putain, mais ce shipyard de broussailles! Merde. Haha, vous m'avez bien eu là. Vous avez pas de transport. Oh, j'ai construit un shipyard quelque part? Là-haut? Ah oui. Ah oui, il semblerait bien, oui. Pour l'instant, on va le shutdown. Bon, alors, non, au contraire, il faut pas que je shutdown. Putain, j'en ai des messages. Hein. Ah, ils sont plus en guerre. Ça doit faire un moment maintenant. Donc, les shipyards, Snati. ...232 en attaque. Ouais, c'est le M4. Ça, c'est le processeur D. Ah, mais c'est parce qu'il lui faut de... ...l'hélérium, tiens. On a le mainframe. On va faire un peu de cela, là. 10 tours à produire. C'est pas mal. Donc c'était le Snati Shipyard. On a encore de la manufacture à faire dessus. Mais ça c'est une sacrée planète quoi. En plus on manque de pop. Donc tu vas nous faire quelques high capacity assemblées et puis. Hein. Voilà. Cette planète là elle fait quoi? Une planète de production ça aussi. Pour la production, comment ça s'appelle? Statch One. Ok. Eldra 2. On va voir Statch One. On va mettre full comme ça, voilà. Et après, c'est celle-là, ouais. Ah non, c'est une planète de recherche, ça. Donc, t'es gentil, mais non, tu vas pas dans les sponsors. Voilà, très bien. Alors. Putain, on a 304 en défense. Et je me demande si avec tout l'influence... C'est juste cette planète-là qui génère toute cette influence. Quand même énorme. Bon. Toi, les environs ont l'air clean, donc tu peux te mettre là et rester là. Oui, notre œil de l'univers. Il s'approche des Altariens maintenant. On va le mettre dans une flotte. Merde, ils peuvent pas se combiner. Il me manque 5 points de capacité. Dommage.
Donc ça tombe bien, on va aller à l'ingénierie. Ah mais non, je suis déjà au max. Ah ah, je suis déjà au max. Bon bah du coup... On va aller là-dessus. C'est quoi ça? C'est le shipyard de Maître Patatien. On va voir, c'est où? C'est celui-là. Faire un peu, je pense, des transporteurs. Comment ils s'appellent déjà les transporteurs avec cette race? Transport protocole marque 13. Allez, tu nous fais ça en boucle. Du coup, sur la planète, tu m'annules ça. Et tu nous fais des fast assembly. Ouais. 273. Il faudrait... Ouais. 152, c'est pas mal. Et même chose, full production par contre. Hein? 273, ça fait quoi? Ça fait 130, 140. Ouais, 150, ça ira. Ouais, c'est ça. Donc, si je change pour voir... 2 tours, nickel. Et ça, c'est produit tous les 2 tours. Bah, c'est parfait. Oula. Bon, ça devrait aller. Nickel. Alors. Ça me gêne les flottes terranes qui se baladent dans mon espace, ça me gêne beaucoup. Donc on va essayer plutôt de les choper. Ah. On va aller détruire cette Starbase là. Et d'ailleurs, j'ai une flotte ici qui attend depuis un moment. Planète de recherche, ça. Ok. Je n'aime pas du tout que t'aies tes flottes qui te rapprochent comme ça de moi. On va voir. On va déjà péter celle-là. Oh, ils m'ont détruit un vaisseau. Je suis très impressionné. Thank you.
Où est-ce qu'on pourrait le foutre, lui? Je pense que là, il sera bien. Ah merde, mais ils vont tout là-bas, eux. Putain, mais j'ai plein de transporteurs ici. Je vais oublier. Bon ben voilà. Ok, donc on a de meilleurs armements. Oula. Putain, mais Starbase! T'aurais pas dû t'approcher de moi comme ça. Je voulais juste vérifier si les terrains étaient en guerre contre leurs voisins. De Sauron, je sais même pas où je l'ai mis ce truc. Pas grave. Non, 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 va là-haut. Et merde. Alors. Salut Inside, ça va? Ouh, ça c'est une truc de recherche aussi. C'est pas assez ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de population. Monter à 30. Il va 3, 18, 24, voilà. Pareil ici. C'était quoi cette planète déjà? Ah oui. Bon ben là on peut construire direct. Alors. Y a pas des reliques qui traînent? Il y en a une là-bas mais je crois que j'ai déjà envoyé un mec. Il va y en avoir d'autres des reliques disponibles. Bon sinon il y a encore ça à prendre. Ça à prendre. Arrête de dire des conneries Inside, après il y a des rumeurs qui vont courir. Euh,